Et oui, et bonjour à tous, et c'est déjà Noël sur la chaîne, en tout cas dans le jeu, puisque ça y est, après pas mal de travail, enfin, Papa Noël est passé, regardez ça, superbe, devant la cheminée, je lui avais laissé des saucisses, je vois qu'il les a pas mangées, par contre je vois qu'il a bu une bière avant de partir. Donc voilà, enfin, le programme de la journée, comme vous pouvez voir, il va être bien rempli. Alors, on va ouvrir les cadeaux. Oh! Des garde-boue! Exactement ce que j'avais commandé. C'est magnifique! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un spoiler arrière! Oh! Oh, le même qu'à la télé! C'est un spoiler avant! Qu'est-ce qu'on a ici? Surprise! Oh! Un joli grille de Jackie! Wow! Et attention! Le petit dernier! Le spoiler! Qui tue sa race! Alors, on est content les enfants! Alors, en tout cas... le programme, donc ça va être, on va monter tout ça, puis après on va aller tester la voiture enfin, puisque j'ai mis toutes les pièces tuning, etc. Donc on va aller tester la vitesse de pointe plus l'accélération sur la piste de dragster. Donc eh ben, c'est parti, moi je dis au boulot. Putain, la porte. Oh, putain, c'est pas possible ce jeu. Putain! C'est pas possible ça. Ah moi ça, je suis tombé dans le trou là, en plus. Putain de merde. Allez, c'est bon, c'est parti. Alors, un petit peu faim, un petit peu soif. On va manger avant de partir. Tac, un petit peu soif. Voilà. On va pas trop partir longtemps, donc c'est bon. Je prends pas de réserve. Allez. Allez, j'installe le volant. Et on va tester ça. Ok. Ok, on a la température. Allez. Alors j'espère que tout va bien aller. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai de l'essence? Ouais, j'ai de l'essence, c'est bon. On peut voir que j'ai que 8 km au compteur. J'ai fait qu'un aller-retour. Allez tranquillement, on va pas abîmer la voiture avant de faire le rallye quand même, ça serait bête. Mais on va quand même aller voir ce qu'elle a dans le ventre.
Elle pousse bien. Hein. Oh, par contre, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude du van et donc là, la suspension est beaucoup plus ferme. J'ai pas mis les pneus de rallye parce que du coup on va aller faire de la route, donc là j'ai pas mis les pneus de rallye, je les mettrai avant de faire la course. Mais bon, déjà quand même on voit que je suis déjà presque à 80, presque 100 là, et ça passe tout seul quoi. Attention, le virage dangereux. Attention ici, on va pas casser les spoilers. Donc j'ai pas tout mis en tuning, j'ai pas mis la vitre arrière non plus. J'ai un double spoiler, j'ai deux spoilers avant aussi. Donc on va aller à dragster, c'est par là. On va directement juste d'abord faire le dragster et après on fera la course. Parce que quand même la pointe, la vitesse maximum risque d'être assez dangereuse, donc j'ai pas envie d'abîmer la voiture non plus. Donc on prendra les risques à la fin. Alors fais gaffe, c'est le mauvais passage. Allez, on va pousser un peu. Je sais pas, ça fait des... Alors, je sais pas, est-ce que ça, avec les pneus de rallye, ça patine moins? J'ai l'impression que ça patine quand même pas mal quand j'accélère. Ou alors, il y a des creux dans la carburation, je sais pas. Alors, vous allez voir, je vais accélérer ici. Et c'est bizarre, ou alors j'arrive en rupture. Ah, c'est la rupture. Bon, par contre, la voiture est... C'est vrai qu'elle est quand même efficace. Hein. Oula, je vais faire gaffe de ne pas abîmer non plus. J'ai déjà bien abîmé en faisant le couillon en sortant de mon garage. J'ai un peu abîmé l'avant. Allez. L'endroit un peu tendu. On passe doucement. On tombe de vitesse. Ah, et ça passe. Oh, comment c'est parti de l'arrière. Ouh, j'ai eu trop peur. Alors, je me calme un peu. Ah, c'est vrai que je suis jamais mort encore. Hein. Je suis quand même assez prudent sur la route. Mais il y a d'autres façons de mourir dans le jeu, notamment en répondant au téléphone un jour d'orage par exemple. Je vous le déconseille, alors je vous le dis parce que c'est assez rageant. C'est assez rageant de mourir comme ça. Donc le jour où il y a de l'orage, faites gaffe. Moi j'ai failli répondre une fois, même en le sachant, alors faites gaffe quand même. Attention à ce virage, il est mauvais, on peut décoller. On va arriver près de la route de Dragster. Alors, je suis assez concentré. Faire gaffe. Voilà. Qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive en face, surtout. Alors, sur cet endroit de la route, il n'y a pas trop de monde. C'est plutôt de l'autre côté, là-bas, qu'il y a du monde. Là, normalement, on a peu de chances de croiser quelqu'un, même si ça peut arriver. Allez, virage tendu. On ralentit bien. Et ça passe tout seul. Alors du coup, il va falloir que j'aille à l'op aussi. Je pense qu'on finira sur ça. Pour que je donne ma voiture au garagiste. Parce que la direction, j'arrive pas à la régler nickel. Donc je pense qu'on va aller voir le garagiste pour ça. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne en vitesse d'accélération. Je ne l'ai jamais fait. Hein. Et dans la version... alpha du jeu, c'était pas disponible. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous.
Alors je pense, alors je sais qu'il y a un petit guichet par là-bas. Je pense qu'il faut d'abord directement se mettre sur les starting blocks. Ok, alors tout est bon. 15 là. Marche pas ou ça marche pas? Ça marche pas. Bon, on va essayer quand même. Et après, on va aller au petit guichet. On va avancer un tout petit peu quand même pour voir. Ok, je savais que j'allais caler. Ah oui, c'est bon. Allez, c'est rouge là, ça va devoir passer vert, non? Bon, ouais, j'ai explosé mon moteur avec tes conneries là. Alors c'est bon, je peux y aller. Bon, j'y vais. Allez, allez, allez. La boss. Il y a des boss sur la route ou quoi? C'est quoi ça? Je sais pas jusqu'où il faut aller. Ouais, jusqu'au bout. Bon, alors c'était les deux petits plots qu'on a vus. Ouais, ça va être ça. Ok, alors on va aller au petit guichet. Alors, il est où le petit guichet? Ah, là-bas. Il n'y a pas de fossé là? Oh, fais gaffe, hein! On essaie les fossés. Alors, il faut peut-être que j'aille payer avant, je sais pas, on va voir. Alors, bonjour monsieur. C'est pas possible. Vous êtes toute une famille, mais vous êtes combien dans la famille? J'ai vu ton frère au bar, j'ai vu ton frère faire la police. Alors. Street, left, right, Finlande, classe, RT, red. Kilomètre heure, 100 km heure. 128. Je comprends rien du tout. On va essayer de le refaire, on va voir si ça change. Donc 128 et 100. Ok, ouais, je comprends pas trop. Bon, on va essayer de recommencer. Alors, on va se remettre sur la ligne. Ah, là, ça marche, là, non? C'est parti! Ah, c'était pas super ce passage de vitesse là. Voilà, celui-là il était mieux. Ça arrache. Par contre, j'ai un problème. Plus ça va, plus j'ai un problème à la direction. Plus ça tire. Je sais pas, ça tire. Ça tire à gauche encore. Alors, 100, ah oui, j'ai fait moins, j'ai fait 100, tout à l'heure 126 ou 128, je sais plus, RT, je sais pas ce que c'est, 60 en une minute, 330 secondes, 60 mètres, je sais pas, 4 secondes 2, de 0 à 60, ça va être peut-être, de 0 à 60, mal, ils sont 4 secondes et 21 dixièmes.
Non, même pas, c'est 330. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, écoutez. Voilà, en tout cas, les données de ma voiture. Si vous avez mieux, ou si vous avez compris, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires soit un lien pour une image pour vous montrer vos scores, ou pour me dire un peu comment ça marche, ça, parce que je comprends pas trop. Les 60, les 1000 km, ça, je comprends rien du tout. Allez, on se retrouve en tout cas sur l'autoroute. Allez, on arrive sur l'autoroute. Ah, ça va bombarder. Alors, j'ai pas très confiance en ma direction. On va bien voir ce que ça donne. De toute façon, je prendrai pas de risque. De toute façon, on va aller jusqu'à l'op. On va voir combien on monte. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Je vous rappelle 140 avant. C'est des kilomètres-heure. 140 km/h. On les a dépassés. On arrive à 150. Ça sert à rien que j'accélère, il y a une montée. Allez, on reprend du gaz. Allez, c'est reparti. Là, je suis à fond, hein. Wouh! Alors, je crois qu'on n'a pas pété les 200 parce qu'il doit avoir un succès. Il me semble avoir vu sur Steam qu'il y a un succès à 200 km/h. Donc, on n'a pas dû les atteindre. Par contre, j'entends les pneus qui crissent là. On va remettre les gaz en sortie de virage. Elle tient bien la route, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un problème dans la direction quand même. Allez, on remet les gaz. Allez, allez. Ah, je suis au maximum, hein. Je dois pas être loin des 200, hein. 160, 180. Je bloque l'aiguille au niveau du rouge là. En tout cas, elle trace. Hein. Oh là là, la vache, la vitesse quoi. Oh, j'aime pas ça. S'il y a un camion dans le fossé là, on vient de croiser une voiture, c'est tendu. Allez, on continue. On accélère encore. On va la pousser, cette... Wow! Ça a pété! Mais faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Non, non, on calme. On calme le jeu. On est arrivé, de toute façon. Wow, ouais. Wouh! Classe, les petits. Papaou! Par contre, on voit que, ouais. 16-1, 16... Wouh! Allez, allez, on se calme, on se calme. Ça fume, non? Est-ce que ça fume? Non, ça va. J'ai eu peur, j'ai cru que ça fumait. Rien, ça fume? Non, ça va, ça va. Elle était montée, c'est bizarre, le chiffre il est monté, là, il est monté à 16,2. Je sais pas ce que ça veut dire, si c'est dangereux ou pas pour le moteur. En tout cas, en température, ça va, je suis bien. Donc, on va s'arrêter à l'op, on va finir là-dessus. On va lui dire de réparer notre direction, elle repartira. Avec sa voiture américaine. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est ouvert déjà. Alors, engine repair, no break. Ah ouais, alignement des roues, 495. Motor tuning, 4075. Engine ajustement 1290. Donc moi j'ai 1700. Ça va être juste. Bon, je vais faire ça, c'est sûr. Ah, il y a 50%. Ah, ok. Ah, bah tu vas m'ajuster le moteur alors. 892. Qu'est-ce que tu peux me faire d'autre? Pas trop cher. Bumper.
Alors les couleurs métallisées, on les verra un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Mais écoute, Ei, vas-y, sä fais voit ça. ottaa tuon mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana, siinä on Ok. 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä oot tottunut ton D'accord. mopoautos kanssa. Ouais, ok. Je dois y aller. Merci. Merci pour la voiture. Alors, du coup, vas-y, fais-toi plaisir. Prends bien soin de ma caisse, mon pauvre, tu l'arrêtes, je te défonce la gueule. Pardon, excusez-moi. Alors, on y va. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Rem. Cette voiture inconduisible. Et l'essence, on va dans son bourrin? Ouais, c'est bon, ça va. Et puis, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. J'adore ça, hein, comme vous savez. J'adore répondre à vos commentaires. J'adore interagir. Oh là là, mais c'est inconduisible ce bordel. J'adore interagir avec vous, hein, savoir un peu ce que vous pensez des vidéos. Et puis, un peu quelle a été votre aventure aussi sur le jeu. N'hésitez pas aussi de suivre la chaîne sur Twitter, hein, vous pourrez savoir l'avancement des vidéos, quand c'est qu'elles vont sortir, etc. Je vous remercie tous, pour ceux qui s'intéressent à la chaîne, on a passé les 1300 abonnés, je crois. Ouais, 1300. Et du coup, je suis concentré là, donc j'ai du mal à parler. 1300 abonnés, merci à tous, c'est grâce à vous. Franchement, merci beaucoup. Le réseau Melberry pour lequel la chaîne est en travail. M'a élu chaîne de la semaine, donc ça fait très plaisir, et tout ça c'est grâce à vous, donc je vous en remercie énormément, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Wow, wow, wow. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va.